bon. Un petit peu, ouais. Il y a les gens du Cresson qui doivent arriver encore, ils sont pas là. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être présent, que vous soyez présents pour accueillir André Lorty pour notre troisième grande conférence Métro Fab Lab, Fabrique Métropolitaine, les conférences de la Graduate School. Nous sommes accompagnés de l'équipe de tournage des films de la Villeneuve et puis dans la salle, je sais, des étudiants, des doctorants, des chercheurs de formations différentes. Donc bienvenue à vous. Cette conférence d'André Lorty est pour nous très importante puisqu'elle pose une question que l'on oublie peut-être de poser. De quoi l'urbanisme est-il le projet ? Question un peu subversive, évidemment, mais qu'il peut aborder par de nombreuses années de travaux, soit au Canada, à Montréal en particulier, soit en France, à Paris en particulier, des travaux dans l'ordre de la recherche, puisqu'André Lorty dirige une équipe de recherche qui s'appelle l'IPROS à Paris Belleville, l'IPROS qui fait partie d'une UMR-CNRS, Auxerre. Mais André Lorty est aussi praticien, mais une pratique assez proche de celle que peut-être vous développez, certains étudiants déjà en urbanisme. C'est de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de la prospective, puisque André, vous travaillez avec l'atelier urbain d'urbanisme régulièrement, et pour tout un ensemble de communes ou de collectivités territoriales qui demandent une réflexion prospective d'aménagement sur les territoires. Et donc, ces années-là, évidemment, ont été remis en discussion, en débat, dans ce qui s'appelle une HDR, une habilitation à diriger des recherches, qui a été soutenue très récemment, du même titre, « De quoi l'urbanisme est-il le projet ?». Et dans le cadre de cette Graduate School, nous a paru cette question comme étant primordiale, évidemment, de réinterroger les bases mêmes, peut-être, de ce que l'on entend, l'urbanisme, ou ce que l'urbanisme porte, des fois sans le dire, comme projet, et pour lequel peut-être il conviendrait de réinterroger ses bases et d'ouvrir quelques nouvelles pistes. Alors André, merci beaucoup de ta venue, et puis on ouvrira aux discussions dans à peu près trois quarts d'heure, une heure, hein, c'est ça, d'intervention. Voilà, merci. Merci infiniment Nicolas de m'avoir invité déjà et de cette présentation. Merci à vous d'être présent également. Alors mon propos d'aujourd'hui s'appuie sur, Nicolas l'a dit, sur diverses observations et recherches. Certaines ont un caractère historique, elles questionnent en général la généalogie de l'urbanisme. D'autres sont critiques et s'intéresse à l'état actuel de l'urbanisme et des territoires. Et enfin, d'autres encore sont tournés vers la prospective et s'interrogent sur l'avenir que laissent présager les tendances actuelles. Mais d'abord, je vais commencer par ce petit incise qui illustre en quelque sorte le court propos de présentation de cette conférence qui a été diffusée sur ce papier dont je vois des exemplaires sur la table et qui questionne l'aspect standardisé de la production des territoires, alors même que on sait si bien décrire et analyser les situations et les sites sur lesquels ces opérations adviennent. Il s'agit d'un exemple d'îlots de zones d'aménagement en secteur tendu, comme on dit en général, dont la cote est de 90 par 180 mètres. Et il y en a certains dans Paris même, certes, comme on dit parfois, d'autres dans l'agglomération parisienne ou à Bordeaux. Et
On peut se poser la question, mais comment se fait-il que cette production de formes bâties soit à ce point normée, alors qu'il n'y a pas vraiment de raison à Bordeaux-Lac en bas à droite ou à Paris-Villette en haut à gauche. Et d'où la question, en fait, mais qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui influe, qu'est-ce qui produit cette tendance à l'uniformisation, quelles sont ces logiques. Et la question serait évidemment de s'interroger sur le fait que l'urbanisme ne serait pas, ne serait-il pas le projet de ce qui détermine ces logiques, en quelque sorte. Donc, je vais revenir là-dessus, ça peut paraître un peu abstrait pour l'instant, mais je pense que ça va s'éclaircir progressivement au fur et à mesure de l'exposé, je l'espère. En ce qui concerne donc la conférence de ce soir, je vais d'abord faire un bref état des lieux de l'urbanisme en m'intéressant à un cas particulier, celui de l'agglomération parisienne. Certes, c'est un cas singulier, mais c'est, me semble-t-il, un cas à partir duquel on peut monter en généralité. Je ne m'attarderai pas sur les raisons pour lesquelles je pense que c'est opportun. Il suffit de mentionner la loi MAPTAM et sur les métropoles, et ça fait sens. Dans un deuxième temps, j'aborderai les discours fondateurs de l'urbanisme pour tenter de mieux comprendre comment on en est arrivé à la situation que je vais décrire en ce qui concerne Paris aujourd'hui. Puis je prendrai le risque de tracer quelques pistes qui s'offrent à nous pour les temps à venir. Je le ferai à partir des tendances que l'on peut observer dans les discours actuels de légitimation de l'urbanisme. Je vais traverser ces périodes très rapidement, sûrement beaucoup trop, de la critique de l'état actuel, au passage par l'histoire, et ensuite vers un peu de prospective. Mais on aura, j'espère, l'occasion de clarifier certains aspects que j'aurais esquissés trop rapidement au moment des questions et réponses. Si la récente pandémie a considérablement secoué nos certitudes, elle a également ébranlé nos visions du territoire et de sa production. De mon point de vue, il est trop tôt pour estimer les effets structurels. Mon exposé s'inscrit moins dans cette conjoncture que dans les tendances lourdes que l'on peut observer depuis le début du XXIe siècle. Qu'en est-il en ce qui concerne Paris et son agglomération? En 2008, certains s'en souviennent. D'autres étaient sûrement trop jeunes pour pouvoir s'en souvenir, mais vous en avez entendu parler depuis, j'imagine. En 2008, était lancée une consultation internationale sur le Grand Paris de l'agglomération parisienne et la métropole de l'après-Kyoto, disait l'énoncé de la consultation. Les résultats étaient commandés par le président de la République lors de l'inauguration de l'exposition qui était consacrée à cette consultation. C'était à la Cité de l'Architecture en 2009. Ces conclusions tenaient en trois points. D'abord, la construction d'une infrastructure de transport en commun puissante, le Grand Paris Express, combinée à l'aménagement d'un pôle scientifique et technologique dédié à l'innovation et à la valorisation industrielle, j'insiste, sur le plateau de Saclay, et enfin la programmation annuelle de 70 000 logements géographiquement et socialement adapté. Pour l'essentiel, on peut le constater, des solutions déjà éprouvées depuis le début du XXe siècle, donc il y a déjà un siècle. Pourtant, le diagnostic énoncé par le président de la République lui-même était lucide. Il fallait, disait-il, en finir avec les zones d'activité, les zones industrielles, les zones commerciales, les zones résidentielles, les zones de loisirs. Le vieux fonctionnalisme avait vécu, disait-il, il a fait assez de dégâts, rapprochons les lieux d'habitation, les lieux de travail, les lieux de distraction. Et le président d'ajouter, on ne résoudra pas les problèmes qui rendent la vie impossible aux Franciliens par les transports. S'il faut faciliter des déplacements, il faut aussi briser le cercle vicieux de la concentration des emplois et de la concentration des logements qui les éloignent les uns des autres. Comment est-ce qu'on en est arrivé à une telle disjonction entre le diagnostic et la solution? Bien sûr, on nous a expliqué en quoi ce projet du Grand Paris répond aux enjeux actuels de protection de l'environnement, d'équité sociale,
de réduction de l'empreinte carbone, de réduction de la facture énergétique métropolitaine. On peut observer les outils qui ont été mis en place pour atteindre ces objectifs. Le premier, qui intéresse toute la région Île-de-France, puisqu'il est inscrit dans son schéma directeur, concerne ce qu'on pourrait nommer, ou ce que j'appelle, la désexpansion, c'est-à-dire la réduction de la conquête territoriale de territoires toujours nouveaux, c'est-à-dire une exhortation à la densification, notamment aux points de réseau en ce qui concerne les stations de métro, mais aussi les gares de RER, les stations de tram, voire même les arrêts de bus quand on lit en détail le document qui expose le SNRIF. Du point de vue de la production des territoires, protéger le sol de l'artificialisation signifie renoncer à la création de valeur et donc à une part de croissance. Une part de croissance que procure un simple changement de destination du foncier. Pour vous donner un exemple, une terre agricole en Île-de-France pouvait être vendue en moyenne 77 centimes d'euros le mètre carré en 2019, tandis qu'un terrain à bâtir se vendait en moyenne 246 euros le mètre carré en moyenne, soit un gain de plus de 300%, 320 environ, par une simple décision réglementaire qui fait passer un terrain de NA à U. On voit la puissance de ces mécanismes en ce qui concerne la croissance, production de valeur. En fait, c'est un autre type de croissance qui est privilégié dès lors qu'on restreint cette expansion. On pourrait qualifier cette valorisation de seconde. Une seconde valorisation, celle des friches, celle des ensembles immobiliers à densifier ou à détruire et reconstruire, par des phénomènes de destruction créative. Les mécanismes de seconde valorisation ont nécessairement tendance à tirer les prix de l'immobilier vers le haut, notamment à travers des phénomènes de financiarisation sur lesquels je ne m'attarderai pas, mais qui ont une importance cruciale dans tout ça, et que résume cette image. Hein, donc, apport initial en capital initial, apport initial ajouté par l'opérateur, et qui se transforme en valorisation immédiate en ce qui concerne la commercialisation des biens immobiliers, et en valorisation secondaire, pourrait-on dire, ou subséquente, taxes, activités supplémentaires, valorisation périphérique, etc., etc. On comprend que ces phénomènes ne produisent pas naturellement de l'équité sociale. Dans l'esprit du législateur, cette équité est censée découler de la mobilité. Grâce à un transport collectif puissant, le Grand Paris Express, tout citoyen aurait la possibilité de s'émanciper en se déplaçant rapidement vers les ressources métropolitaines, celles des emplois, celles des grandes aménités, etc. Un des effets de cette stratégie, c'est le renforcement des territoires dans leur nature première. Les territoires d'habitat restent des territoires d'habitat, l'habitat populaire reste des territoires d'habitat populaire, les territoires les plus puissants poursuivent leur domination face aux territoires les plus pauvres. On le voit ici par cette carte, bon, on ne va pas en faire le détail, mais c'est ce que résume ce document publié par l'Atelier parisien d'urbanisme et qui nous montre que à l'ouest, évidemment, là où il y a du bleu, c'est du bureau de l'activité, on est à la défense, c'est on conforte la défense, et là où on est dans les communes de banlieue est, d'habitat, on conforte l'habitat. Donc ça ne produit pas de la redistribution des valeurs en quelque sorte. Le Grand Paris Express, lui, est promu comme un moyen de transport frugal en énergie et faible en émissions de CO2. Évidemment, une rame de métro électrique pleine de voyageurs fera toujours meilleure figure qu'un véhicule diesel immobilisé dans un embouteillage. Mais qui a vraiment fait le calcul de l'empreinte carbone du Grand Paris Express ? Le creusement des tunnels et leur équipement, la construction des stations et des rames, l'énergie motrice, rapportée aux passagers par kilomètre transporté, il n'est pas sûr que des bus à haut niveau de service, sur des voies réservées, des infrastructures déjà existantes, aient une empreinte environnementale moins favorable. En réalité, c'est la vitesse qui est recherchée. On va revenir là-dessus dans un instant. On le devine, les techniques disponibles, pardon,
On le devine, ce sont les techniques disponibles, celles que l'on sait maîtriser, qui ont dicté des solutions retenues. Un transport en commun puissant, une densification de type ZAC au point de réseau, un ordonnancement par zone. On peut faire l'hypothèse que c'est le recours implicite à des processus de production connus qui produirait cette disjonction entre diagnostic et solution telle qu'on l'a esquissé tout à l'heure en faisant ce premier commentaire sur le projet du Grand Paris actuel. Pourtant, l'ambition était forte, rien de moins que la métropole de l'après-Kyoto. Pourtant, si les solutions retenues sont dictées par une logique qui les domine, c'est que l'urbanisme serait le projet de cette logique dominante. Quelle est-elle ? En 1965, Françoise Chouet a très bien expliqué dans son anthologie de l'urbanisme, Utopie et réalité, comment on est passé du pré-urbanisme à l'urbanisme. Le pré-urbanisme s'interrogeait en même temps sur un idéal de société et sur la manière d'incarner cet idéal dans le territoire. À la période suivante, celle de l'urbanisme, au tournant des 19e et 20e siècles, cet urbanisme intériorisait l'industrialisme et se pensait entièrement au service de cette société industrielle. En 1922, dans sa préface à la traduction de l'ouvrage de Raymond Aunouin, L'étude pratique des plans de ville, Léon Jossely, bien connu à Grenoble, résumait de manière exemplaire la façon dont l'urbanisme devait se mettre au service de la société industrialiste. Je le cite, « On est arrivé à considérer l'organisation économique des cités comme une sorte de taylorisation en grand d'un très vaste atelier où, pour des raisons très précises, chaque chose doit avoir une place définie et ne peut être qu'à cette place. On veut surtout éviter les pertes de temps et les cheminements inutiles pour les hommes et les choses, car ils pèsent lourdement sur la vie collective comme sur la vie individuelle. Il n'y a pas d'élément fonctionnel dans la cité qui reste indépendant de l'ordre général économique basé sur la division des fonctions. Zoning ou zonage, comme on disait à l'époque, mobilité, efficience économique et productive. Voilà le projet de Léon Jossely. L'urbanisme est donc ce projet pour une société industrialiste qui, depuis son avènement, cherche les moyens de l'optimisation et de la rationalisation de sa composante spatiale. Cette recherche se fait en réponse à certains enjeux prépondérants. La question environnementale en est un. Il est majeur. Elle concerne d'abord le rapport à la nature. D'ailleurs, Jossely est très explicite sur cette question de la proximité de ces unités urbaines de la nature. À la nature, pardon. Mais elle concerne aussi, du point de vue environnemental, l'hygiène et le confort, par exemple. Les aspects économiques s'imposent également. Ils touchent l'organisation efficiente des lieux de production. Ils touchent à leur lien aux infrastructures d'un côté et à l'habitat de l'autre. L'urbanisme n'est pas indifférent aux questions sociales, bien sûr, la santé notamment et le bien-être en général. Enfin, des réponses à ces enjeux, par diverses techniques propres à chaque époque, concourent également au contrôle des membres de la société. On reviendra là-dessus en conclusion. C'est vrai que cette optimisation et cette rationalisation relèvent d'une logique qui traverse la pensée sur les techniques en général, autant qu'elle s'intéresse à la ville. Mais c'est précisément cet aspect qui est décisif, car les approches de l'urbanisme sont déterminées par les ressources techniques que l'industrie met à sa disposition. Ces ressources sont à la fois matérielles, c'est par exemple les grandes infrastructures, le chemin de fer au début du siècle, routières tardivement, elles sont aussi conceptuelles, à l'instar du zoning, par exemple, en tant que dérivé du taylorisme appliqué à l'organisation urbaine. Ces ressources s'imposent à l'urbanisme. C'est un phénomène qu'on peut qualifier de téléonomie. On pourra définir cela plus précisément si vous le souhaitez. Optimisation et rationalisation sont des facteurs d'intensification de la société industrielle. L'urbanisme y participe en s'appuyant sur les techniques et les ressources que l'industrie lui fournit. L'urbanisme contribue donc au développement de cette industrie et de cette société, en même temps qu'il lui offre les moyens d'une accélération et d'une intensification caractéristique du capitalisme.
et dont les excès sont susceptibles de provoquer des nouveaux dysfonctionnements. Ceux-ci rendent nécessaire dès lors un nouveau diagnostic qui appelle la mise au point de nouvelles solutions d'optimisation et de rationalisation, et ainsi de suite. Comment cela se manifeste-t-il au début et au milieu du grand XXe siècle? Au tournant des XIXe et XXe siècles, un des enjeux pour la société industrialiste en pleine expansion est d'assurer les conditions d'hygiène de ces populations en même temps que de rationaliser l'appareil de production. L'urbanisme assure cette fin en séparant habitat et production par le biais du zonage et en desserrant et en embellissant les centres urbains, tout en cherchant à canaliser l'agglutinement métropolitain qui découle de l'expansion en périphérie. Chemin de fer, usines, lotissements de pavillons, etc. Il faut toutefois garder à l'esprit que ce sont ces phénomènes d'expansion qui sollicitent à la fois les industries primaires et de première transformation, le charbon, l'acier par exemple, hein, dans le premier XXe siècle, les industries secondaires des travaux publics et du bâtiment, voirie, éclairage public, eau, énergie, induction, etc. et celles des services, par exemple le transport. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est la question du confort, celui individuel notamment, qui se substitue progressivement à celle de l'hygiène. S'y ajoute le renouvellement de l'appareil de production et son organisation. Et le renouvellement de son organisation. L'urbanisme accompagne cette mutation, cherchant même à l'orienter. La dispersion métropolitaine, celle de l'éloignement des centres, des ensembles d'habitation, pardon, par rapport au centre urbain notamment, agit comme un intensificateur de la production des biens de consommation, voitures, réfrigérateurs, congélateurs, téléviseurs, etc., bientôt home cinéma, hein, tout ce que vous voulez. Elle est, en quelque sorte, portée par le développement des infrastructures magistrales que sont les voies rapides urbaines et les autoroutes. Cette dispersion métropolitaine, celle qui est inducteur de consommation de biens, etc. Revenons au cas parisien, si vous le voulez bien, pour observer comment cet enjeu s'est incarné dans la seconde moitié du XXe siècle. De ce point de vue, le schéma directeur de 1965, suivi par celui de 1976, est exemplaire. À la question des objectifs de l'urbanisme et de l'aménagement de la région parisienne, le rapport de présentation du schéma directeur de 65 conclut à la nécessité de créer, je le cite, « ces conditions matérielles d'une vie heureuse ». Et lorsqu'il s'agit de définir l'objet et la portée du schéma, à l'interrogation « que faut-il donc pour la vie de la population, pour que la vie de la population soit rendue plus facile aujourd'hui ?», la réponse tient en deux mots « des équipements ». Le rapport de présentation continue. Accroissement considérable des besoins par tête, accroissement considérable du nombre de têtes, voilà les données certaines du futur que l'évolution économique et démographique de la France impose à la région parisienne et qui commande la nécessité et les dimensions d'un urbanisme novateur. Fin de citation. Le rôle de l'urbanisme est bien d'accompagner le développement dans le sens de la prévision. Je pense qu'il n'est même pas très excessif de dire que l'urbanisme serait l'agent de l'autoréalisation de la prévision. On le comprend à la lecture de l'introduction générale du document de présentation du schéma directeur. Cette approche repose sur la production de biens matériels, dont ceux de confort domestique, moteur du développement économique, et du bien-être, bref, moteur de croissance. En témoignent les coefficients multiplicateurs dont la liste figure dans le corps de l'exposé. Population multipliée par 1,65, pouvoir d'achat global de la population multipliée par 5, soit 1,65 multiplié par 3,5, dont produits alimentaires multipliés par 3, dont produits industriels multipliés par 6, etc., etc. Donc on voit que l'ambition
est forte, en fait, ce qui est nommé prédiction est enfin, véritablement l'ambition du schéma directeur, dont il sera un des vecteurs d'autoréalisation. Ce sont les effets de ces orientations dont on perçoit les excès depuis la fin du XXe siècle. Le constat d'ordre environnemental concerne d'abord la dispersion métropolitaine. Elle est le résultat d'une conquête territoriale stimulée par la loi d'orientation foncière de 1967. Elle présente aujourd'hui, d'ailleurs elle présente depuis la fin du XXe siècle, un bilan carbone et une empreinte écologique insoutenable. Les infrastructures dédiées aux véhicules individuels encouragent la colonisation de terres toujours plus lointaines. C'était le titre de cette planche ici du schéma directeur de 76 cette fois. Support d'un parti d'aménagement régional. Hein, ce sont les traits en rouge des voies rapides métropolitaines. Ces infrastructures induisent des dépenses énergétiques et l'artificialisation des sols. D'un point de vue social, l'inégalité des territoires demeure une question récurrente, ainsi que la dissociation entre politique des transports d'un côté et politique d'aménagement de l'autre. Deux politiques qui ne devraient en former qu'une, affirmait Nicolas Sarkozy en 2009. Comment apprécier, à travers cette grille de lecture, le successeur de ce projet métropolitain pour l'agglomération parisienne, tel qu'il est mis en œuvre depuis le début du XXIe siècle et dont j'ai résumé les grandes lignes en début d'intervention. Cette grille de lecture suggère que les approches de l'urbanisme sont déterminées par les ressources techniques que l'industrie met à sa disposition. En prolongeant ce raisonnement avec le cas parisien, on peut même considérer que les moyens offerts par l'industrie détermineraient les questions auxquelles l'urbanisme a dû apporter des réponses en ayant recours à cette industrie et à ses ressources. C'est ce phénomène de téléonomie dont je parlais tout à l'heure. En l'occurrence, le Grand Paris Express permet de servir les industries conventionnelles du bâtiment, des travaux publics et du rail. Le BTP creuse des tunnels que reçoivent les trains, de même que les puits d'accès aux stations, et construit les superstructures immobilières qui les coiffent. L'immobilier, ravivé et encouragé par une industrie financière de nouvelle génération et d'échelle internationale, impose sa logique au zoning, en repoussant l'habitat, moins rentable, hors du rayon des stations. De plus, cela concourt à la préservation d'autres industries plus anciennes, telles que l'automobile, par exemple, qui a encore des beaux jours, puisque la vignette critère, on la connaît bien à Grenoble, élimine les véhicules les plus polluants, reléguant leurs chauffeurs vers les transports en commun, libérant la route aux véhicules dits propres de nouvelle génération et à ceux qui peuvent se les offrir, ce qui contribue dans une certaine mesure à une forme de contrôle social, vous l'aurez compris. Quelles alternatives peut-on imaginer pour renouveler nos approches de la production et de la gestion des territoires? Il y a une industrie qui monte en puissance et qui suscite beaucoup d'espoir. La connaissez, celle des technologies, de l'information et de la communication, qui possède un réel potentiel disruptif. En ce qui concerne les transports, les opérateurs des TIC, les techniques de l'information et de la communication, ont la capacité de capter la clientèle sur l'ensemble de la chaîne de déplacement, de maîtriser la multimodalité, c'est-à-dire le passage du vélo au métro, à la trottinette électrique, etc. Donc sur l'ensemble, de maîtriser cette multimodalité au profit d'usagers émancipés des transports collectifs, publics. Elle peut aussi assurer la traçabilité et la prédictibilité des parcours et de la demande, et progressivement élargir son domaine ou leur domaine d'action,
et de se positionner sur l'ensemble de la suite des services urbains, au moins en ce qui concerne leur maintenance et peut-être bientôt leur production. Certes, on n'y est pas encore, l'intégration des systèmes urbains est réputée trop complexe, les visées globalisantes des majors des TIC se sont épuisées face à la complexité des métasystèmes urbains. Je prends pour exemple, évidemment, je prends pour exemple Sidewalk Lab à Toronto, hein, comme exemple d'épuisement de, des majors. Il s'agit d'Alphabet, évidemment, la filiale de Google, qui témoigne des velléités de ses opérateurs. La question des données est importante. Ce sont les dispositifs qui la relèvent, cette donnée, capteurs et caméras. Ce sont les dispositifs qui relaient les données, antennes, satellites, câbles sous-marins. Ce sont les dispositifs qui les stockent, ces données, centres de traitement des données, data centers. Ce sont ces divers artefacts qui constituent la nouvelle grande infrastructure d'optimisation de notre société industrialiste. C'est cette infrastructure qui devrait être le prochain vecteur de rationalisation, d'intensification, d'accélération et probablement d'emballement. C'est cette infrastructure discrète, les caméras, voire cachées, capteurs et satellites, et décentralisée, centre de calcul, c'est cette infrastructure invisible aux yeux des habitants qui risque de provoquer les nouveaux dysfonctionnements auxquels devra répondre l'urbanisme. Je prends pour exemple les 42 000 satellites qu'Elon Musk a envisagé d'envoyer dans l'espace d'ici 2027. Si on pense à CityScore à Boston, avec son Citywide Analytics Team, on comprend en quoi ces mécanismes d'optimisation sont au service, aurait dit Maurice Halbwachs, d'un enfermement de la société dans l'espace qu'il occupe. Ces technologies de l'information et de la communication contribuent à rendre toujours plus rapides les déplacements au sein des agglomérations. C'est une réponse persistante à une équation territoriale qui n'est jamais remise en question, celle qui combine vitesse et répartition fonctionnelle par zone, déjà exposée et proposée par Léon Jossy, dont les versions contemporaines continuent d'allonger les distances sans allonger les temps de déplacement. À partir de maintenant, je vais vous livrer quelques questions, quelques pistes pour l'avenir, avec un point d'interrogation, desquelles on pourra éventuellement discuter ou débattre, si vous souhaitez, à la fin de mon exposé qui approche. Dans cette équation, hein, celle qui associe vitesse, distance et répartition des fonctions urbaines ou métropolitaines par zone, dans cette équation, les infrastructures de déplacement seraient structurantes, nous dit-on généralement, bien que depuis les années 90, Jean-Marc Hoffner se soit élevé contre cette hypothèse. Cela dit, elles sont structurantes dans la mesure où elles sont fortement accompagnées, et c'est le cas en ce moment en ce qui concerne l'agglomération parisienne notamment. Mais sont-elles aussi structurantes que peut l'être le désir des habitants d'habiter un certain cadre de vie plutôt qu'un autre ? Un choix dans lequel intervient le rapport entre habitat et emploi, c'est sûr, mais aussi la proximité aux services, aux loisirs, à la nature, à certaines catégories sociales, etc., etc., et à ce qui qualifie un large éventail d'offres urbaines et leurs facteurs de confort parfois très contrastés du centre à la périphérie. D'où la question, faut-il privilégier les notions de cadre de vie et de confort plutôt que toujours s'en remettre à l'équation de l'accélération des déplacements d'une aire métropolitaine à l'autre.
Cette question se combine à une seconde. Questionner le précepte de la densification. Vous vous en souvenez, hein, c'est une des bases du programme parisien du 21e siècle. Cette idée de privilégier les notions de cadre de vie et de confort et la différence entre les offres urbaines ou métropolitaines entre lesquelles on peut choisir va à l'encontre du principe de la densification qui considère qu'il y aurait une densité juste, ou du moins un gradient de densité juste en fonction de l'éloignement par rapport au centre, et qu'il faudrait résorber les lotissements de maisons individuelles qui peuvent accueillir un supplément de densité, par exemple. Voici un exemple de la promotion du programme BIMBY, Built in My Backyard, qui consiste à densifier systématiquement les tissus pavillonnaires. Qu'est-ce qu'on constate sur cette image ? C'est que, à force de densification, l'image d'un voisinage dans lequel la verdure du cœur d'îlot est perçue entre les maisons disparaît, et on peut supposer que le rapport de l'habitant à son quartier est fondamentalement modifié et qu'une offre urbaine transformée à l'image de celle-ci risque d'amener la reproduction de l'offre urbaine initiale encore plus loin. On peut donc considérer que l'on peut préserver ces offres urbaines différenciées qui répondent à diverses attentes, quitte à les enrichir afin de les rendre peut-être plus flexibles dans un tissu de maisons comme celui-ci. Est-ce qu'il faut rajouter d'autres maisons ou est-ce qu'il faut plutôt ajouter un peu de logement intermédiaire qui permet à un couple qui occupe cette maison depuis qu'elle a été construite dans les années 70 et qui a eu ses enfants, qui les a vus partir et qui maintenant est plus âgé et qui a de la difficulté à entretenir le jardin, à nettoyer la gouttière et qui commence à avoir froid dans sa maison. Hein, est-ce qu'il faut imaginer que cette personne vend le petit bout de maison le petit bout de jardin qui est à côté pour faire une nouvelle maison, ou est-ce que elle vend tout simplement sa maison dans la mesure où elle peut rester dans la même commune. Une commune comme celle-ci, par exemple Magnanville, en périphérie parisienne, c'est 97% de logements en maison individuelle. Les 3% de logements collectifs, c'est l'immeuble de logement social qui est près de l'autoroute A13. On peut imaginer desserrer ce tissu d'habitat pavillonnaire et le rendre plus fluide dès lors qu'on a dans la même commune, parce que monsieur et madame Michu qui habitent cette maison ne voudront pas la quitter, comme ils ont tous leurs amis là. Hein, donc on peut imaginer plus de flexibilité, plus de mobilité dans ce genre de tissu plutôt que de systématiquement penser à sa densification. Ce serait donc plutôt les offres que les habitants fuient, sur lesquels il serait utile de porter un effort plutôt que de chercher systématiquement à avoir une densité cohérente et uniforme dans les anneaux que constitue l'agglomération. La densification ou la densité juste tend à l'uniformisation des offres urbaines. Non seulement cela ne correspond pas aux attentes, mais cela risque d'avoir un effet pervers de recréation des offres disparues toujours plus loin, d'une part, et d'autre part, cela fait que toutes les collectivités sont en compétition pour les mêmes ressources financières et opérationnelles afin de réaliser ces offres qui s'apparenteraient à celles du centre de la ville. Plutôt que l'équivalence des territoires, celle qui fait que toutes les communes sont à la recherche des mêmes ressources financières et immobilières, c'est l'intensification de leur qualité propre qui pourrait être recherchée, favorisant leur complémentarité dans une forme de dialogue. Ce sont moins les mobilités de longue portée qui importeraient que les micro-mobilités de proximité, soit une porosité alimentée par les multiples interconnexions de tous les réseaux et non pas par les seules grandes infrastructures. La mobilité ne doit pas être un substitut à l'aménagement, c'est pas moi qui le dis. À l'inverse de la recherche d'un gradient de densité idéale du centre vers la périphérie,
serait rechercher une intensification des qualités propres à chaque territoire, fondement même de leur complémentarité, le paradigme quantitatif d'une égalité basée sur la mobilité et la densité serait remplacé par une approche qualitative et différenciée du cadre de vie matériel et social. L'urbanisme dont il est question avec cette hypothèse, c'est un urbanisme du remodelage. Cela concerne l'habitat, on vient d'en parler, mais aussi les infrastructures de déplacement. On peut faire mieux avec les voies rapides urbaines que nous a léguées le XXe siècle. Cela concerne aussi les trames vertes, si on se donne la peine de bien évaluer le potentiel des trop nombreuses chutes territoriales qu'elles engendrent, des talus, des bassins d'orage, les secteurs inexploités sous les lignes à haute tension, etc. Cela touche. De même, toutes sortes de grandes emprises de services, les ports, les cimetières, peut-être même la frange des aéroports, les terrains de golf, pour en imaginer d'autres, cela met en évidence un enjeu tout autre que ceux précédemment abordés, celui d'une reconnaissance fine des territoires. Questionner l'héritage, donc, pour mieux évaluer l'existant, afin de le remodeler, plutôt que d'abord créer de nouvelles infrastructures. Pour le remodeler, évidemment, il faut le connaître, cet héritage. Il faut le connaître et le reconnaître. Cette reconnaissance est essentielle afin de mettre au jour le potentiel de cet héritage, ses ressources, et notamment les processus anthropogéographiques, ces processus par lesquels l'homme s'est approprié des portions de territoire en le rendant habitable. Ce sont donc ces divers aspects qu'il est utile de connaître et de reconnaître. Cette reconnaissance est nécessaire à la mise au point. Cette reconnaissance est essentielle afin de mettre au jour le potentiel de ces artefacts et de ces ressources. Cette reconnaissance est aussi nécessaire à la mise au point des représentations des territoires afin de sensibiliser les habitants au processus de transformation dont ils sont les premiers concernés et dont ils sont eux-mêmes des producteurs. Impliquer les habitants est une question cruciale. Non seulement sont-ils les utilisateurs de ces territoires, mais, je le disais, ils en sont les producteurs. Ils en ont, en quelque sorte, l'intelligence. La ville intelligente est peut-être d'abord celle de ceux qui l'habitent. Ils produisent ce territoire par leur mobilité, par leurs relations sociales, par leur propre production de biens ou de services. Cette connaissance de la part des habitants du territoire est essentielle si on veut non seulement questionner, mais remettre en question la polarité État-marché. Pendant qu'il dit, quelqu'un comme Alberto Magnaghi l'a très bien formulé, aujourd'hui, la production des territoires est l'affaire de deux principaux acteurs, l'État d'un côté, les marchés de l'autre. Si je reprends l'exemple du Paris métropolitain du second XXe siècle, celui du schéma directeur de 65 et de 76 dont on a parlé, on comprend très vite que l'État était le moteur de la transformation du territoire. C'est lui qui dicte en quelque sorte le programme dont j'ai cité les extraits tout à l'heure. Cet État est puissant, il se dote des outils nécessaires à la production des territoires, que ce soit l'INSEE, que ce soit la DATAR, que ce soit les plans successifs qui cadrent l'aménagement en fonction d'un projet collectif. Et non seulement l'État est celui qui donne la feuille de route, mais celui également qui maîtrise les principales entreprises qui interviennent au milieu du XXe siècle. Que ce soit celles qui concernent les mobilités, on en a beaucoup parlé, mais aussi l'énergie, le charbon, le pétrole, l'électricité, etc. Que ce soit
également les grandes entreprises qui produisent les matières de cette transformation, l'acier par exemple. L'État est à la fois du côté de la production du programme et du côté de la production de la matérialité du territoire, et cède à une part du marché très encadrée une partie de cette production. Ce balancier s'est complètement inversé au début du XXIe siècle. L'État n'est plus en mesure de maîtriser les entreprises, il est de moins en moins en mesure de maîtriser le programme. L'État fait confiance au marché pour produire une partie de ce programme. D'ailleurs, le marché est en partie désemparé de cette responsabilité que lui confie le marché quand on lit les comptes rendus des séminaires d'études où les représentants de l'État rencontrent les représentants des grandes entreprises. Comment intervenir de manière à faire en sorte que cette production du territoire soit plus respectueuse d'un environnement dont on a vu le malheur qui a pu arriver depuis la fin du XXe siècle? Eh bien, c'est peut-être en introduisant une troisième partie, celle de l'habitant, celle de l'habitant producteur, un habitant producteur pour lequel la question de l'héritage deviendrait primordiale, et évidemment celle de la connaissance et de la reconnaissance de son propre territoire. Donc je pense que là, on a une responsabilité en tant qu'urbaniste de rendre compréhensibles ces enjeux territoriaux à travers les représentations, à travers la description, à travers la prise de parole et à travers une implication qui n'est plus celle de l'expert surplombant la question, mais bien celle d'un expert qui prend sa place dans les questionnements susceptibles, dans la mise en forme des questionnements susceptibles d'être pris en compte à la fois par l'État et par le marché. Enfin, questionner les fondements de l'urbanisme. De quoi devrait-il être le projet ? C'est la discussion à laquelle je vous invite, si vous le souhaitez, à travers des questions et des réponses. Je vous remercie. Merci beaucoup André. Peut-être peut-on laisser la dernière diapositive, bien sûr, juste celle d'avant, qui nous interroge évidemment, qui interroge bien sûr la recherche en urbanisme, le projet en urbanisme, mais aussi tout simplement les formations en architecture urbanisme, puisque si ces pistes pour l'avenir sont fortes et qu'on souhaite y croire, il faut qu'elle soit aussi insufflée en termes pédagogiques. Alors, qui veut commencer à ouvrir les échanges? Dans votre présentation, vous avez parlé de la téléonymie. Est-ce que vous pourriez définir ce que c'est? Oui, bien sûr. La téléonymie. En fait, on dit de l'urbanisme en général qu'il est téléologique, c'est-à-dire qu'il met les moyens au service des questionnements qui lui sont adressés. Donc ça, c'est la téléologie. La téléonomie, c'est un cran dessous, en quelque sorte. C'est-à-dire, je m'attendais à cette question. Je vais même vous lire une définition que j'avais écrite il y a un certain temps. On dit de l'urbanisme qu'il est téléologique, dans la mesure où il recherche des moyens utiles pour atteindre des fins qu'il détermine par l'analyse des situations auxquelles il doit répondre. D'accord ? Ça, c'est quand on lit Françoise Chouret et Pierre Merlin, c'est ce qu'on nous dit. L'hypothèse est la suivante, c'est que l'urbanisme serait téléonomique dès lors que les fins, de même que les moyens, pour les atteindre, lui sont imposés de manière purement instrumentale par l'industrialisme et le productivisme qui le transcendent et le surdéterminent.
Non, donc je répète, l'urbanisme serait téléonomique dès lors que les fins, hein, c'est-à-dire l'objectif poursuivi, et les moyens, ceux qui sont définis pour atteindre les objectifs en question, lui sont imposés. Hein, donc l'urbanisme serait surdéterminé à la fois dans l'identification des fins et dans l'identification des moyens. Et non plus libre de repérer les fins à atteindre et mettre en face les moyens nécessaires pour atteindre les fins. La société industrialiste lui imposerait en quelque sorte les fins qui sont celles communément admises pour que cette société industrialiste perdure et continue dans son effort en quelque sorte. Et donc les fins et les moyens seraient déterminés ensemble par ces exigences d'une société industrialiste qui les surplomberait. C'est en ce sens que je citais Maurice Halbwachs tout à l'heure, hein, le sociologue qui a écrit les cadres sociaux de la mémoire. Non plus. Un peu aidé là. Chronique de Chicago. Voilà, c'est ça. Jean-Michel. Merci. Donc dans cet ouvrage, Halbwachs dit la société construit le cadre dans lequel le groupe, Halbwachs dit généralement le groupe aménage son espace en fonction de certaines contraintes qu'il se donne, et progressivement la production de cet aménagement qui conforte la société et lui procure confort d'ailleurs, progressivement ces aménagements deviennent une contrainte que le groupe n'ose pas enfreindre et qui l'enferme dans la construction qu'il a lui-même faite. Et ça, je pense que c'est typiquement ce qu'est en train de produire l'urbanisme des technologies de l'information et de la communication. L'exemple, c'est celui que je donnais tout à l'heure, hein, de Score Boston, ou de Score City, pardon, à Boston. C'est-à-dire, Score City, c'est quoi faire pour que la cible de 1 soit atteinte. C'est-à-dire comment coordonner les services, comment rendre les mobilités en transport en commun plus performantes, comment faire en sorte que les secours, les pompiers, les ambulances, etc. soient plus performants, etc. Donc quand Score City est à 1, c'est qu'on a atteint un niveau raisonnable. Quand on est en dessous de 1, c'est qu'on doit faire des efforts. Quand on est au-dessus de 1, c'est qu'on a bien fait. Et voilà typiquement les processus par lesquels on s'enferme dans le cadre qu'on construit. Parce que ces systèmes ne peuvent pas le remettre en question. Ils ne peuvent que l'améliorer pour le rendre plus performant, toujours plus performant. Les ambulances plus rapides, les transports en commun plus efficaces, plus ponctuels, plus rapides, etc. etc. Et on est vraiment dans un système d'enfermement, de mon point de vue. Est-ce que ça répond à votre question ? Si la densification, ça va à l'encontre de la demande de beaucoup d'habitants, des territoires, mais qu'en même temps, l'étalement urbain, ça pose beaucoup de problèmes environnementaux. Comment est-ce qu'on peut réussir à concilier les deux ? Quand la densification... à nouveau, hein, je vais vous faire des réponses très tranchées. On va faire un débat, si vous voulez. Quand la densification altère les offres urbaines plurielles et les amène en tendance, hein, vers une offre uniformisée, mon sentiment, c'est que l'offre urbaine qui répond à certaines attentes risque de se reproduire plus loin.
ma conviction, c'est que si on préserve ces offres telles qu'elles sont aujourd'hui, mais qu'on les rend mieux habitables, par exemple, qu'est-ce qui se produit aujourd'hui? En plus, les réglementations techniques se renouvellent de plus en plus rapidement. On est passé de la RT 2012 avant, c'était la 2005, si je me souviens bien, la 2012, la 2020. Donc, ça se rapproche et de plus en plus exigeante, et finalement l'inconfort des maisons construites dans les années 70 est de plus en plus évident par contraste. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On dit on va densifier ces quartiers, on va les intensifier, on va détruire ces maisons, on va les remplacer par des nouvelles. Donc, et finalement ces maisons, elles répondent potentiellement à une demande. Est-ce qu'il n'est pas plus raisonnable de chercher les moyens d'avoir plus de fluidité dans ces tissus urbains de maisons individuelles pour permettre, comme je le donnais tout à l'heure en exemple avec monsieur et madame Michu, qui habitent leur pavillon et qui sont trop vieux maintenant pour y habiter, mais qui ne déménageront pas, parce que s'ils déménagent, ils sont obligés de quitter la commune. 97% de maisons individuelles à Magny-en-Ville. Donc si on leur permet de rester dans la commune, c'est-à-dire non pas en construisant plus de maisons entre les maisons, mais en construisant un habitat un peu différent au pourtour, dans la commune même, à ce moment-là, on fluidifie le marché. En revanche, ça impose d'améliorer les maisons en question. Et mon sentiment, c'est qu'on est on serait dans ce cas-là, c'est un pur jugement de valeur, vous allez me dire, mais on serait dans ce cas-là dans une dynamique plus vertueuse que celle de la densification à tout prix. C'est-à-dire, là, trouver les moyens de plus de fluidité, donc du desserrement de ce type d'habitat, de son amélioration et de sa remise en jeu dans la métropole. Ensuite, on n'échappera pas, évidemment, vous allez me dire, dans un phénomène comme celui-là, à des dynamiques de gentrification. Mais il y a sûrement des moyens de trouver, on le reconnaît, des moyens de trouver des moyens de produire de l'amélioration de l'habitat sans nécessairement en augmenter la valeur de manière démesurée. Donc, mais bon, ensuite, les risques sont réels, mais on sait trouver des moyens pour les minimiser. Merci pour votre présentation et votre venue. Moi, j'ai déjà beaucoup aimé la diapo. Charles, je vois qu'il sourit, je dis, c'est de quelle diapo je parle, c'est celle de Built in my Backyard, ça make sense, c'est ça? Puisqu'avec Charles et Nicolas, on s'est retrouvés il y a quelques années dans la même situation, dans un quartier d'habitat social à M, à la frontière belge, et on s'est posé ces questions-là, et on a fait les mêmes choix que vous, on a essayé de trouver des nouvelles typologies d'habitat, de maisons peut-être plus petites, pour des personnes âgées, aussi des béguinages, qui est une ancienne forme lilloise d'habiter, mais en tout cas en disant... alors c'était pas Madame Michu là-bas, hein, c'était plutôt Vandenbroek, Messaoud et Rojo, mais faire en sorte que ces gens-là puissent rester, y compris dans du logement social, en se disant, après tout, on laisse les gens qui habitent dans les lotissements résidentiels s'enraciner, et dans le logement social, ils n'ont pas le droit. Et donc on s'était posé ces questions-là. Donc pour ça, moi je suis très très content. Après, j'ai des questions en défense de l'urbanisme. est-ce qu'il s'agit bien de critiquer l'urbanisme ou les modes d'urbanisation? Parce que quand même, à plein de moments, la ville s'est urbanisée en France, et j'ai pas eu l'impression qu'il y avait beaucoup d'urbanistes. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'urbanistes à la SNCF, qu'il y ait beaucoup de gens qui aident à penser les ingénieurs spécialistes de la vitesse dans leur localisation de leur gare, loin des centres-villes. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'urbanistes qui aient bosser au cœur du Grand Paris. Par exemple, ma question, ça sera, savez-vous quelles étaient les formations d'origine des mandataires du Grand Paris et de ce type de projet? Et puis, ma deuxième question, c'est, est-ce que finalement le problème, est-ce qu'il est lié à un défaut de passage du diagnostic au projet, ou est-ce qu'il n'est pas plutôt lié à l'arbitrage politique qui reçoit à un moment donné le projet reçoit un diagnostic et le renvoie vers le projet? Est-ce qu'il n'y a pas un défaut de manque d'urbanistes par moment dans certains services, certaines entreprises? Et ça amène aussi à la question que posait Nicolas, de l'action de la formation des urbanistes. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas persuadé que dans les groupements qui ont travaillé sur le Grand Paris, dans les mandataires,
il y avait beaucoup d'urbanistes formés dans des instituts d'urbain. Et dernière anecdote, j'étais à une réunion de l'OPQ récemment, et des collègues me disaient qu'ils avaient répondu à un appel d'offres sur un projet d'aménagement, de dessin d'espace public dans un village, et il était spécifié paysagiste obligatoire. Oui. Oui, oui, c'est la tendance. Alors, en ce qui concerne le Grand Paris, donc, je vais faire une réponse qui recouvre deux des questions. En ce qui concerne le Grand Paris, le diagnostic qu'énonçait d'ailleurs Nicolas Sarkozy dans son discours de 2009 à la Cité de l'architecture et du patrimoine est issu des études des 10 groupements qui s'étaient penchés sur le cas du Grand Paris. 10 groupements dans lesquels, effectivement, si c'est le sous-texte de la question, on retrouvait des cabinets d'architectes. La consultation était pilotée par le ministère de la Culture, notamment. Donc, le diagnostic, qui était quand même assez lucide, hein, sur les, et dont des larges extraits étaient récupérés dans le discours du président, est contredit par la décision. La décision, en l'occurrence, c'est les politiques, bien sûr. Mais l'urbanisme est politique. Le grand urbanisme, dans ce cas-là, c'est moins les 10 consortiums pluridisciplinaires qui ont répondu à la consultation que Christian Blanc. Je ne sais pas quelle est sa formation. Économiste, je crois. Possible. Charles suggère économiste, c'est possible. Mais peu importe. Il était président-directeur général de la RATP. Hein, justement, ceux qui positionnent les gares sans nécessairement peut-être faire appel aux urbanistes, je ne sais pas. Donc, la question que vous posez, celle de la formation, elle est importante. Mais je pense que la formation des élus aussi est importante. Le fait est que c'est l'élu qui dispose, même si c'est l'urbaniste qui propose. C'est une des raisons pour lesquelles il me semble important de faire intervenir des acteurs un peu différents, c'est-à-dire de chercher à construire une parole de ce que Magnaghi appelle de l'habitant producteur pour pouvoir peut-être parfois mettre une autre forme d'analyse dans cette polarité entre le politique et le marché dans laquelle intervient l'urbaniste. C'est-à-dire la figure du Grand Paris, les urbanistes avaient une mission qui leur était confiée par le ministère de la Culture. Ils étaient consultés comme grands experts et ils ont proposé leur lecture aux politiques qui a tranché. Cela dit, le politique a tranché en ayant fait lui-même son projet parallèlement à celui des experts des 10 consortiums de la consultation. Bon, je suis un peu en train de tourner en rond en vous répondant, et je sens que ma réponse n'est pas complètement satisfaisante. Mais on peut peut-être approfondir un peu votre questionnement pour aller plus loin. Juste pendant que vous réfléchissez, il n'était pas économiste, mais pire que tout, il a fait de la science politique à l'IEP de Bordeaux. Je dis ça comme ça. Non, je dis ça comme ça, c'est tout. Non, mais ça ne nécessite pas forcément d'approfondissement, mais c'est vrai que c'est une véritable question, la question de la formation des urbanistes. Voilà. Ah oui, je suis absolument d'accord. Moi, mon sentiment, c'est que il faut être plusieurs, c'est-à-dire, j'allais dire, apporter des réponses. En fait, non. Pour pouvoir bien poser les questions. Et voilà, j'en suis absolument convaincu.
Yann. Moi, je me positionner un peu dans cette intervention-là, enfin, pour dire que je ne me sens pas réellement concerné par ces questions, et je pense qu'on est d'autres aussi. Enfin, en tant que jeune urbaniste, en tout cas étudiant en urbanisme, c'est des questions auxquelles, enfin, je ne me sens pas concerné, c'est plutôt des choses que j'aurais plutôt tendance à déplorer aussi, et que je pense qu'elles sont plus à destination des politiques que nous, étudiants urbanistes ou urbanistes. Et dans ce cas, et la question que ça m'amène à poser, c'est qu'est-ce que nous, urbanistes, on doit faire du coup? Est-ce qu'on doit se poser en tant que militant pour essayer d'amener le politique ou dans cette polarité état-marché? Est-ce que c'est l'urbaniste qui doit se poser comme militant pour essayer d'en faire entendre sa voix? Est-ce qu'il faut peut-être, comme la formation d'architecte, elle est aussi plus reconnue au niveau de l'État, peut-être que c'est l'urbaniste qui est... La formation d'urbaniste n'est pas suffisamment reconnue, mais je pense que, en tout cas, moi, ce que je vois à mon niveau, avec mes camarades étudiants, c'est que, enfin, cette question aussi d'apporter la troisième partie, l'habitant, c'est des choses auxquelles on est vraiment sensibilisé aujourd'hui. Et donc, c'est pas des questions dans lesquelles moi je me retrouve. C'est plus des choses que j'aurais envie de critiquer dans la manière de faire aujourd'hui. Et donc, c'est un peu plus qu'une question à vous, c'est plus une remarque que je voulais faire. Mais tant mieux si vous êtes, déjà à l'étape suivante, c'est-à-dire... Mais cela dit, il faut être vigilant, hein. Ça, c'est plutôt un appel à la vigilance. Hein. Vous dites, on est déjà dans cette logique de prise en compte de la parole de l'habitant, tant mieux. Moi je dis, si on veut raisonnablement prendre en compte la parole de l'habitant, il faut parvenir à rendre les enjeux les plus clairs possibles. Il faut parvenir à construire une connaissance qui soit partagée. Il faut parvenir à identifier des questionnements qui, eux aussi, puissent être partagés. C'est-à-dire, le rôle de l'urbaniste est en train de changer. C'était un expert au service d'abord d'un État, d'une collectivité plutôt. Quand je dis État-marché, évidemment, c'est l'État englobe l'ensemble des différents niveaux de collectivité. Donc l'urbaniste était d'abord un spécialiste au service de la collectivité et proposait dans un schéma assez classique, prenait la parole de l'habitant qui exposait certains aspects des problèmes qu'il rencontre. Ça c'est dans une période encore un peu récente. Avant, c'était plutôt l'usager dont on tenait compte, hein, c'est-à-dire une normalisation de l'usager dans des grandes catégories assez uniformes. Progressivement, cet usager s'est transformé en habitant, avec une diffraction de ses attentes de plus en plus singulières et de plus en plus multiples. Et aujourd'hui, le rôle de l'urbaniste n'est plus celui d'écouter l'exposé, hein, l'habitant qui expose pour que l'urbaniste propose et le responsable politique dispose, mais dans une figure un peu plus complexe où l'urbanisme peut proposer, et non pas qu'à l'élu, une fois avoir pris la parole de l'habitant, mais exposer à l'habitant aussi. Et construire une connaissance partagée des territoires avec l'habitant pour faire remonter des questions à mettre en jeu au niveau politique. Moi, je pense que la figure s'est complexifiée, elle s'est triangulée. Elle tend à se trianguler de plus en plus. Donc moi, je suis... tant mieux si vous en êtes
déjà cette étape. Cela dit, il faut être très vigilant. Il faut être très vigilant dans ce que, le marché, hein, pour faire simple, le marché nous propose ou nous impose. Et la question des technologies de l'information et de la communication, de ce point de vue-là, est une question très importante. C'est-à-dire, il faut être très vigilant dans la mesure où ce qui se profile, quand on voit ce qui se passe, bon, Boston est un exemple, mais en France, c'est Dijon qui est l'exemple, qui est souvent cité en référence. On voit ce qui se profile dans cet appui des technologies de l'information et de la communication à l'urbanisme, à travers, comme on le voit à Dijon. Hein. Dijon, ils ont répondu à l'appel, c'est un consortium qui a répondu à l'appel d'offres, à la fois des spécialistes des TIC, mais aussi Bouygues Immobilier, Bouygues Bâtiment, enfin les grands majors du. Et donc on est progressivement dans une appropriation de ces questions-là par les TIC à travers les acteurs de la production du territoire traditionnel. On est progressivement en train de les remettre, de mettre à jour leur logiciel vers des mécanismes de production qui, de mon point de vue, concourent à continuer à faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire. Quand les TIC concourent à l'optimisation des dispositifs métropolitains tels qu'on les connaît depuis déjà plusieurs dizaines d'années, je pense qu'on se trompe. Enfin, bon, en partie. TIC, vous êtes tous technique de l'information, de la communication et la question du partage des données. Il y avait Naïm, Aïd Sidoum. Je sais qu'il y avait Charles et il y en a deux. Oulala, superbe. Deux autres. Naïm, Siméon, Morchadi et Charles Strandberg. Moi j'avais une remarque et qui est en même temps une question par rapport à cette notion de triangulation que vous évoquez. J'ai l'impression que le point d'interrogation, c'est que ce qui manque, c'est du point de vue du côté des habitants, c'est des institutions en fait. C'est-à-dire qu'autant l'État c'était l'institution, le marché aussi en fait en réalité c'est pas un effet de nature, en fait, c'est vraiment une institution. Et que ce qui manquerait peut-être, c'est quoi l'institution habitante ou les institutions habitantes? Est-ce que vous en avez observé? Est-ce que vous en connaissez? Et aussi, est-ce que dans ce qui arrive à cet endroit-là, est-ce que c'est satisfaisant ou au contraire, est-ce que ça reconstruit d'autres types de rapports de force qui peuvent être un peu improductifs? Et du coup, ça m'amènerait la question de Jean-Michel à la décadrer, c'est-à-dire à plutôt se poser la question de la formation des habitants sur les questions d'urbanisme. C'est une très bonne question. La réponse est non. Je ne connais pas vraiment de forme d'institutionnalisation raisonnable de la parole habitante. Je connais des techniques de prise de parole, d'implication des habitants dans les processus, mais je ne connais pas d'institutionnalisation. C'est une bonne question. Des auteurs marxistes des années 70 se sont penchés sur cette question, je pense à Jacques Dreyfus notamment, et il dit en fait c'est un leurre. Hein. Il dit, si on forme les habitants pour parler avec les politiques et les urbanistes, alors ça y est, on leur a imposé le vocabulaire, donc on leur impose le mode de pensée. Donc c'est une question délicate. Mon point de vue, mais bon, il est purement théorique, c'est que un des grands enjeux, c'est celui de la connaissance. Moi, je crois beaucoup à... C'est un truc un peu triviaux, hein, vous connaissez les sentiers métropolitains par exemple. Voilà, c'est un type de dispositif auquel je crois beaucoup, c'est-à-dire d'amener des habitants qui ont envie de connaître, d'être dans cette dynamique, de les amener voir et comprendre leur propre territoire. On le voit à Bordeaux, hein, ils sont assez avancés dans ces questions-là. On voit aussi autour de Paris, je ne sais pas s'il y en a autour de Grenoble, sûrement, mais si.
Mais je pense qu'on en est qu'au début, c'est-à-dire il y a une intelligence à construire et ça demande des outils. Et ça, je pense que c'est un des enjeux de l'urbanisme à venir, c'est-à-dire la construction des outils utiles pour la maîtrise par les habitants des questions qui concernent leur propre territoire. Je pense que c'est un vrai enjeu. En France, on n'est pas très en avance là-dessus. Plutôt que l'acculturation des habitants aux techniques, au langage, aux outils de l'urbanisme, je pense qu'un des vrais enjeux importants, c'est de leur permettre de s'approprier la connaissance de leur propre territoire par la pratique. Et ça fait, ma conviction, c'est que ça construit des vrais interlocuteurs, plus que l'autre moyen. En questionnant plusieurs aspects des métropoles et de la métropolisation comme processus, comme la densification, l'accélération des flux, les modes de production de ces territoires et les acteurs qui participent. Eh bien, il y a plusieurs qui dénoncent la métropole en général en tant que structure et ils dénoncent totalement le travail sur des métropoles. Mais vous semblez beaucoup moins radical à ce qui concerne ça. Pourquoi est-ce que vous gardez une conviction que en fait, les métropoles peuvent être sauvées ou changées ou modifiées ou transformées ou plutôt il faut qu'on essaie un peu à oublier ces grandes villes, ces grands territoires habités et aller vers plutôt une décroissance de ce type de structure spéciale. Oui, moi je suis un peu plus pragmatique, c'est-à-dire quand on voit les cabinets de conseil qui identifient les grandes tendances, non pas de la mode, hein, mais plutôt les grandes tendances en ce qui concerne les finances, en ce qui concerne les dynamiques économiques mondiales, on constate que une des remarques qui revient régulièrement, c'est l'augmentation inéluctable des populations urbaines. Donc, ils disent, voilà, une des tendances des prochaines décennies, les 20 prochaines années, c'est celle de l'augmentation des populations urbaines. Bon, ils font ce constat. Ils disent on est dans cette propension à l'augmentation. Et dès lors, après ce diagnostic, leur suggestion à leurs clients, c'est il faut que les flux financiers suivent cette voie. On doit les orienter vers l'intensification des aires métropolitaines. Donc on est devant quelque chose de puissant. J'ai de la difficulté à dire il faut tout réfléchir à une résorption des métropoles, à un désurbanisme ou à un urbanisme de la décroissance. Il y a des portions du territoire terrestre qui vont être soumises à cette décroissance. Il faut savoir comment ça fonctionne, comment on peut faire fonctionner cette décroissance. Elle est antinomique avec l'urbanisme tel que je l'ai décrit là, hein, qui est un accompagnement de la croissance. Je suis ni pessimiste ni optimiste. Je constate que la tendance forte est celle de l'augmentation des populations dans les grands centres urbains, métropolitains, et qu'il est urgent de trouver une manière de l'accompagner de façon raisonnable pour préserver l'environnement. C'est peut-être tout simplement impossible à tenir des deux côtés, mais mon sentiment, c'est qu'on n'a pas tellement le choix que de se poser cette question-là comme ça. Moi, je suis à la recherche de références, d'auteurs, de chercheurs, de références, où aujourd'hui, en fait, on est capable de se rendre compte que la ville, elle peut être
elle peut être vue sous la forme de plein de zones, enfin, vous l'aviez montré dans une carte au début, et on peut aussi analyser la ville sous la question de la classe sociale, du coup les quartiers pauvres et les quartiers riches. Et moi en fait je cherche des références qui pourraient montrer le zonage ethnique en fait qui a lieu dans les villes aussi. C'est-à-dire que bah, les quartiers populaires, on a l'habitude d'associer ça à des populations racisées. Et depuis la suppression du mot race dans la Constitution, on n'en parle plus. Et c'est hyper dur d'avoir des statistiques raciales. Oui. Du coup, est-ce que vous avez des références de gens qui analysent la ville sous ce prisme-là ? Enfin, les Américains font ça beaucoup plus simplement qu'en France, parce qu'en France, c'est très difficile d'avoir accès à ce type de données. Et on cherche justement à ce que ça puisse pas être fait. Pour toutes sortes de raisons. Donc c'est plutôt dans la littérature américaine. Mais là, j'ai pas en tête des références récentes sur cette question-là, malheureusement. Vous avez des références pas récentes ? Ça m'intéresse aussi. L'école de Chicago a travaillé là-dessus, entre autres. Mais voilà, c'est très ancien. Je suppose cette question-là. Entre autres, à Philadelphie aussi, dans les années 60, 70, quand il s'agit d'advocacy planning, on fait ce genre de repérage de concentration de population de certains types qui sont confrontés à des problèmes communs et pour lesquels il faut trouver des outils pour pouvoir adresser, comment dire en anglais, ces problèmes. Je parle aussi à nos étudiants parce que c'est super important ces conférences, parce qu'il y a à la fois un matériau de recherche qui est quand même d'une très grande pertinence, puis il y a aussi de la méthodologie, et on est aussi là pour ça dans la Graduate School. Et je trouve que moi je suis vraiment enchanté par le titre. De quoi l'urbanisme est-il le projet ? Enfin, je trouve que la question, elle est... Encore on dit, il faut chercher une problématique, ce serait bien d'avoir une méthode avec la problématique, etc. Ben là, typiquement, on a un truc d'enfer, quoi. De quoi l'urbanisme est-il le projet ? Et vous voyez comment, tout de suite, pour la personne qui va devoir répondre, il est obligé de définir l'urbanisme et le projet de quoi ? Ben, d'une société, d'une vision de la société, de son atterrissage dans l'espace. Et après, on peut commencer à discuter sur après, quoi. Et je trouve que d'un point de vue même simplement de la qualité de la rhétorique, au sens très vraiment très positif du terme, ça marche du feu de Dieu. C'est-à-dire qu'en posant cette question, on est obligé, il y a tous les énoncés dans le titre, et forcément, il y a déjà le plan, en fait, qui se dessine. Et je trouve que pour ça, c'est fantastique, quoi, comme manière d'énoncer les choses. Après, ça pose alors vraiment des questions. Je trouve on pourrait ne pas épuiser la réponse à la question. C'est ce qui probablement rend compte de la qualité de la question. Et alors moi, j'avais des petites questions taquines à vous poser parce que je ne pouvais pas m'empêcher d'entendre dans l'idée que finalement l'urbanisme serait le projet de la société capitalo-industrielle. Finalement, l'atterrissage dans l'espace d'une critique néo-marxiste de l'urbanisme, et plus généralement d'ailleurs de la société, et l'agencement entre l'État et le marché. Et donc la question de Kinn, qui n'en est pas une, c'était dans le fond, est-ce que votre travail, c'est donner corps à ce que d'ailleurs les marxistes ne savent pas faire, c'est-à-dire donner corps par l'espace et surtout par les artefacts, les infrastructures. Parce que le grand legs de la société capitalo-industrielle, c'est ces zonages, et donc ces bâtiments industriels, et donc ces autoroutes, et donc ces zones commerciales, etc., etc., etc. Et ces choses dont on hérite aujourd'hui, et dont on se rend bien compte qu'elles ont potentiellement de l'avenir, mais on ne sait pas lequel. Et elles ont été produites par une société carbone, et dans un monde post-carbone, pas tout à fait sûr encore, enfin, encore que là on y va un peu de manière accélérée malgré nous, on ne sait pas trop comment faire. Et là, de ce point de vue-là, quand bien même ce serait l'atterrissage par un architecte urbaniste qui vient nous expliquer, mais dans le fond c'est joli de parler de tout ça, mais ça a quand même des conséquences dans l'espace, quoi. Concrètement ça peut se toucher. Rien que pour ça, bon, c'est super, parce que je trouve que c'est ce qui manque. C'est ce qui manque à Castells, c'est ce qui manque à Neil Brenner, c'est ce qui manque à David Harvey. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont du mal à spatialiser les choses, quand bien même ce qu'ils disent est très intéressant. Mais ça, je vous laisserai répondre si toutefois vous vous reconnaissez dans cette tradition de pensée. Et puis moi, il y a quand même des questionnements que je me pose les mêmes questions en ce moment que vous. C'est que l'urbanisme est téléonomique,
jusqu'à un certain point. Par exemple, Françoise Chauvet, quand elle-même essaye de classer les grandes catégories de pensée de l'urbanisme, finalement, elle-même n'en retient que deux, c'est les progressistes et les culturalistes. On fait table rase du passé ou non par rapport à l'expansion urbaine que pose la société industrielle. Mais enfin, il y avait une troisième catégorie qu'elle-même énonçait, un peu mal, je pense, parce que, faute de recul, c'était les naturalistes. Et c'est intéressant que vous sollicitiez quelqu'un comme Agnaghi, par exemple, parce que, dans le fond, il a remis au goût du jour la biorégion, qui remonte, en fait, à Patrick Guédès. Mmh. Et c'est ce lignage-là de l'urbanisme qui dit quelque chose d'un peu différent de la question du projet de la société capitalo-industrielle. Pourtant, il contemple cette société avec Élisée Reclus, avec Paul Vidal de la Blage, avec aussi Josely, dans le musée social, quand il discute aussi avec Henri Proc, Nicolas Forestier, etc. Tous ces gens-là sont là, et je sais bien qu'en plus, dans votre laboratoire, vous êtes à la pointe de ce travail d'historiographie pour remettre, justement, sortir ces auteurs des archives. Parce qu'on les connaît mal, en fait. On connaît mal le travail de Pro sur les colonies, notamment marocaines. On connaît mal, finalement, le musée social. On connaît mal Josely. C'est vrai que Josely, il se caricature lui-même dans l'introduction de la traduction de l'étude des plans de Nguyen. Et en même temps, il a un vrai discours sur le rapport à la société, de la société urbaine avec l'environnement, la nature, etc. Ce que je voulais, pour faire plus court, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi peut-être, finalement, dans l'énoncé même de l'urbanisme comme discipline, une sorte de... comment dirais-je, aveuglement, qui ne veut pas regarder qu'il y avait d'autres manières d'envisager l'urbanisme discipline dès le départ, c'est-à-dire dès le début du XXe siècle. Mais finalement, et c'est une question, là, peut-être c'est celle-là la question taquine, est-ce que c'est pas prolonger l'idéologie néo-marxiste que de ne pas vouloir voir qu'il y avait d'autres manières de dénoncer l'urbanisme, dont le projet de société, aujourd'hui, c'est intéressant, il rejaillit, mais alors de manière totalement... comment dirais-je, pointilliste, les biorégionalistes d'un côté, l'approche permaculturelle de l'autre, et en plus ça nous vient par les collapsologues, ils m'ont fait un peu flipper quand même, alors que ça a une vieille tradition tout ça, ça a quand même quasiment un siècle maintenant, et vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de blougi-boulga qui rend invisible d'autres manières d'énoncer le projet de ce dont devrait être l'urbanisme finalement, et j'ai la sensation que ben, c'est en train de ressortir là, du tamis, mais c'est pas visible encore. Bon, déjà, oui, effectivement, hein, vous l'aviez compris, hein, que j'étais plutôt néo-marxiste, à ma manière. Je pense que je n'ai pas trop d'ambiguïté. Et effectivement, c'est ce qu'on constate, hein, c'est que ces approches néo-marxistes sont souvent désincarnées. Et c'est un des, de mon point de vue, un des enjeux, c'est d'incarner ces aspects-là dans une analyse critique des... de ce qui aujourd'hui jonche le territoire. Hein. Et d'autant qu'on ne va pas s'en débarrasser et qu'on ne va pas réinventer ou inventer à nouveau une autre génération d'infrastructures, de développement, etc., qui va s'y confronter, qui va l'engloutir et voir le compléter de manière... ensuite, juste une petite parenthèse, effectivement, une approche néo-marxiste et qui questionne l'industrialisme productiviste et capitalistique, mais quand on regarde ce qui se passe au même moment dans des pays qui ne sont pas capitalistes, on voit que l'industrialisme domine et que les solutions de l'urbanisme sont souvent les mêmes. Donc c'est un fait que, à travers cette polarité État-marché, on caractérise évidemment cette société capitalistique, mais on trouve des acteurs qui jouent ces rôles-là d'une autre manière, mais pour avoir finalement des résultats d'occupation du territoire qui sont assez semblables dans les pays qui ne sont pas capitalistes. Je ferme la parenthèse. Le projet que je m'étais donné, de quoi l'est-il le projet, s'arrête, enfin, les analyses que j'ai faites, les recherches que j'ai faites, etc., s'arrête au seuil de
ce constat que disons un double constat à la fois ce que je disais tout à l'heure en réponse à la question c'est-à-dire l'inéluctable propension des métropoles à continuer à grandir et à se développer et d'autre part je commence à être fatigué, je vous avoue, et je perds un peu le fil de mes réflexions. Quoi qu'il en soit, mon projet était de m'amener au seuil de cette critique des processus de production tels qu'ils sont aujourd'hui, et devant cette propension des métropoles à continuer à s'étendre, devant le constat de tout ce qu'ils ont laissé derrière nous, de réfléchir à une manière de remettre en jeu cet héritage. Mais pas nécessairement de... donc c'est plutôt une approche pragmatique plus que de refondation théorique. Mais effectivement, il y a... c'est juste, hein, je ne vais pas redire ce que vous avez dit, mais les courants autres ont existé, continuent à exister, mais ils ont cette difficulté à être visibles parce qu'ils sont face, me semble-t-il, et là je retombe dans les analyses un peu déterministes et néo-marxistes, ils sont face à cette puissance de l'appareil social et technique qui enferme la question de l'urbanisme dans la reproduction et le maintien de ses propres outils de croissance et de production. C'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté. On peut faire des parallèles avec l'histoire de l'architecture aussi. Il y a la tendance mécaniste et machiniste qui voit le jour et qui engloutit les approches métabolistes et biomimétiques, par exemple. Et aujourd'hui, qui ont toujours la difficulté à réémerger. Parce qu'elles sont confrontées en permanence à ce cadre très très rigide, très puissant de la production de notre milieu bâti et de notre environnement anthropisé qui passe par la puissance industrielle et ce qui met à notre disposition. Donc c'est une vraie question. Mais mon sentiment, c'est que pour qu'elle réémerge, pour que ces approches réémergent, elles peuvent difficilement réémerger en s'imposant comme une pensée alternative formulée qui serait aussi puissante que la précédente pour pouvoir la remplacer. Moi, je pense que c'est difficilement pensable. Je pense que cette pensée doit être étayée, formulée, énoncée, construite, appuyée d'exemples, etc. Mais je pense que le grand soir n'est pas là. Là-dessus, je contredis Jean-Marc Hoffner qui dit une option alternative ne peut s'imposer que si elle est aussi puissante que la notion à laquelle elle s'oppose. Certes. Mais il dit qu'elle ne peut pas arriver par pointillisme et par petites touches. Moi, je pense que oui. Je pense que, des remarques comme celles qui ont été faites tout à l'heure, qui disent « mais je me sens que partiellement concerné par ce que vous dites », me rassurent. C'est-à-dire c'est qu'on est déjà dans un mode de pensée alternatif. Et ça fait 20 ans que je discute avec mes collègues. Je dis « c'est quand même dingue, on a un hardware qui est surperformant et on n'a pas les logiciels. On n'a pas les logiciels. Et donc, progressivement, je pense que les logiciels arrivent parce qu'il y a des prises de conscience, des prises de position, des cultures et des appropriations de ces questionnements qui sont nouvelles et nouveaux. La question de la culture, justement, est primordiale. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure au sujet de
la question habitante, hein, c'est bien par une culture, et non pas par une appropriation des techniques, c'est par une culture que les questions peuvent avancer en ce qui concerne l'appropriation, la gestion et la production des territoires. J'imagine aussi que les gens de la Graduate School, mais tous ceux qui ne sont pas dans la Graduate School, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'échanger avec André par la suite, on peut vous donner son mail, etc., etc. Recevoir des nouvelles suite à cette conférence, j'imagine, serait aussi agréable. La prochaine conférence de la Graduate School va nous amener justement un petit peu sur cet urbanisme naturaliste dont parlait Françoise Chouet, avec une grande figure du paysage et de la ville, c'est Homestead, c'est celui qui a fait Central Park, etc. Et c'est Catherine Momy qui vient de sortir un très beau livre sur lui, enfin qui a contribué à éditer des textes d'Homestead. Ça sera, j'ai perdu la date, mais au fin avril. Et André, vraiment, c'était... 25 avril. Le 25 avril, merci. André, c'est un grand plaisir, merci beaucoup. Merci. Mon mémoire sera bientôt en ligne sur Al.